Nos forêts regorgent de nombreuses ressources naturelles, dont le bois, qui fait partie de notre quotidien avec lequel nos menuisiers et ébénistes se font un plaisir de nous éblouir. Et c'est justement le métier de menuisier que Cyril a choisi d'exercer. N'allons pas faire de langue de bois. Allons le voir à l'œuvre. C'est encadré par Ismaël, marié et père d'un enfant, que Cyril Bojico va faire ses premiers pas de menuisier. Les différentes espèces de bois qui viennent de notre forêt. Vous allez voir que ces bois sont des espèces différentes, le sapeli, le bibinga, et il y en a le bété également. Et le bété, c'est l'un des bois les plus prisés au Cameroun. Le bété est un bois qui est d'ailleurs très très utilisé au Cameroun, tout comme le sapeli et le bibinga. Donc voilà, et quand le client arrive à la menuiserie, il choisit son meuble, il choisit son type de bois. Mais quand il n'a pas une connaissance de la qualité du bois, le menuisier donc est chargé de le guider, de lui donner des conseils par rapport au type de bois qu'il faut. D'entrée de jeu, notre menuisier d'un jour semble s'y connaître en menuiserie. Mais ne nous emballons pas trop, Cyril. C'est à l'œuvre qu'on va te juger. Fini les vestes tirées à quatre épingles et le look toujours soigné. Ici, la blouse, c'est obligatoire. Si t'as fini de jouer, Cyril, passons aux choses sérieuses. Ça, c'est pour penser. Voilà. Ah non, Cyril. Respecte au moins le sens. Non, ça a un sens. Les baguettes dans ce sens. Mais si tu poses dans ce sens, ça ne donne plus. Bon. Ok, au boulot. Voilà. Ponce. Ponce. Ponce fort. Voilà, là c'est mieux. Sur le côté, on pense pas tout. Pense pas tout. Lady Ponce, Cyril. Non, 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 où ça? Elle n'est pas là. Ici, en boss. C'est vous pensez, tu es là. La comédie, c'est à la télé. Non, c'est pas dur. C'est avec le temps que tu t'habitues. C'est pas que c'est dur. Passons à l'étape du vernis. Sens. Oui, dans le même sens que vous avez pensé, mais avec le pinceau comme ça. Ouais. On voit plus, plus d'appui, quoi. Pas mal. Si tu continues comme ça, tu auras la palme d'or de l'apprenti concentré et assidu. Bon, faut assembler le tout maintenant. Et là, ça se complique. Cyril, à cette allure, le bébé qui doit dormir dans ce berceau sera déjà en sixième. Là, je suis en train de fixer le porte-moustiquaire. Et c'est important. Et il faudrait toujours que le menuisier dise à la maman de mettre absolument un moustiquaire.
pour protéger les enfants. Faut bien vérifier, boss. Faudrait pas que notre bébé se trouve au sol. Alors, Cyril, ça t'a plu? Ouais. Vous, en tant qu'apprenti, j'ai l'impression. J'ai beaucoup appris. Ismaël m'a beaucoup appris. Et en fait, j'ai gardé d'Ismaël une seule image, c'est qu'il n'est pas que menuisier, mais c'est un manager de menuiserie. Ouais. Parce que la façon avec laquelle il m'a accueilli, la façon avec laquelle il m'a managé, il a compris tout de suite que je venais pas de ce monde, de ceux qui travaillent de leurs mains. Il a vite compris que je suis un travailleur de la tête, parce qu'il y a des travailleurs manuels, des travailleurs intellectuels. Ouais. Donc il sait que je travaille de la tête, il a vite compris que je travaille de la tête. Alors pour que les mains ne puissent pas me décourager, il a su me motiver. Et c'est justement ce côté de motivation-là qui me plaît en lui en tant que chef. Je peux déjà imaginer quel bonheur les apprentis ont à travailler avec lui. Ouais. Et il est passionné, il comprend tout de suite tes faiblesses et il te met au pas, et tout en évitant que ces faiblesses ne puissent avoir de l'emprise sur toi. Ouais. Donc pour moi, c'est un bon coach. C'était plus du coaching que de la formation. Et moi, je suis très à l'aise et je me retrouve avec un lit sans vraiment savoir comment je suis arrivé. Je suis passé par où, je suis passé pour arriver là. Ouais. L'essentiel, c'est le résultat. Et moi, je dis merci Ismaël, tu es un grand coach. Il fallait s'y attendre. Rien n'est facile. En tout cas, bravo Cyril. Tu t'es bien battu et tu as pris ta tâche au sérieux. Une autre boss. C'est 7 sur 10. Voilà. Merci. 7 sur 10. Ah ouais, je suis content, 7 sur 10. Je suis content. Je suis content. Vraiment, c'est pas mal. Pour un apprenti, 7 sur 10, c'est bien. Vous c'est encourageant. Vous êtes satisfait de sa prestation? Non, il a été merveilleux. Et bon, il a été patient, ouais. Et elle a vu le résultat de son travail. D'accord. Ouais. Comme ça, comme quoi on peut le recruter. Si jamais il veut travailler pour moi, quoi. D'accord. Bien sûr, je suis d'accord. Je veux travailler pour toi, Ismaël. Merci beaucoup, je suis content, je travaille pour toi. Dans la vie, il ne suffit pas juste de faire, mais plutôt de bien faire, de mieux faire, tant que faire se peut. Car la perfection est un idéal que nous devons tous chercher à atteindre, quelles qu'en soient les difficultés.